Bonjour tout le monde, non, moi c'est Graner Joseph Gracis. Nous retournons pour la deuxième vidéo. C'est Maître Gras, et bien ou sous channel qui est Maître Gras Vidéo. Et bien, le sujet aujourd'hui c'est est-ce que Haïtien capable de venir à Taïwan sans visa? Donc, j'ai nous annoncé là, bon, un petit break tout petit, et bien, on va retourner avec le sujet ça en détail. Premier point, c'est qui est-ce qui est capable de venir à Taïwan sans visa. Ok? Yon touriste, yon businessman. Donc, on a ou ta posé une question. Qui est-ce qui touriste? Ok? Touriste, c'est tout haïtien. Ok? Tout le monde qui gagne l'argent dans le pour dépenser dans l'autre pays ou c'est un touriste. Automatiquement, ou aller dans l'autre pays ou c'est un touriste. Si ou aller pour aller étudier ou venir pas touriste encore ou étudiant. Si ou aller dans un pays pour aller travailler ou pas touriste encore ou son travailleur. Mais, on dit que dans cas pas nous qui Taiwan by visa pour capable venir dans pays là, j'ai en pile monde pense là, c'est pas douane qui ouvre pour haïtien rentrer, j'ai en pile monde a demandé maintenant, mais c'est un rapport diplomatique qui existait entre pays yo, et bien Taiwan décidé by haïtien porte d'entrée pour capable venir visiter pays là pour businessman capable venir créer business Taiwan, bien businessman taïwanais tout capable d'entrer Haïti. Bon, ça capable fait dans en relation entre deux pays. Yo. Donc, qui ça a demandé pour venir visiter Taïwan? Ça a demandé pour gagner un cop pour acheter un ticket. Ça a demandé pour gagner un cop pour dépenser dans l'hôtel. Ça a demandé pour gagner un cop pour manger. Ça a demandé pour gagner un cop pour visiter côté ou palier. Ça a demandé pour gagner assez de bagages pour préparer et bien pour capable venir dépenser dans le pays. Ça. Pas penser là où venir là dans 3 mois, par exemple, dans 90 jours, ou gagner temps pour travailler. Eh bien, ou pas gagner yon visa qui dit que ou capable de travailler. Donc, tout ça que vous faites pour faire l'argent est illégal. Deuxième point, c'est pas gaspiller l'argent. Gen en pile moun qui a préparé vous l'argent pour bay yon agence pour acheter ticket pour yon. Gen en pile moun tout qui capable bay yon moun qui Taiwan en pile cob pour capable préparer voyage pour yon. Gen en pile moun ki capable chercher moyen pour faire l'argent sur ou. Donc faut que faire en pile attention et donc pas dim combien cob ou a dépenser pour venir. Pas dim on pas mande l'autre moun combien cob a dépenser. Mande yon agence pour le faire yon itinéraire ba ou, mais faut que itinéraire ça li gagne prix la donne. Ou pou kou payer agence lan li ba ou yon itinéraire tout côté que ou a passer yo bien détaillé et puis comme ça ou capable connaître combien cob la pote ou. Moi même non puis devant moi le baou combien cob ça capable pote pour venir Taiwan, mais pour deuxième point donc il s'allier pas dépenser l'argent, pas vendre bœufou, pas vendre terre ou rien, pas vendre sac ou rien pour mettre tout comme ça dans un voyage Taiwan sans avoir sans ou pas comprendre côté que vous aller à pour pas dépenser l'argent en vain. Troisième point c'est par coup à trajet ou a besoin passer pour venir Taiwan. Parcours à trajet est très compliqué, mais nous avons divisé en deux parties pour capable essayer de comprendre. La première partie, c'est les gens qui ont un visa américain déjà. Donc, ça est très facile. Donc, les gens ont juste acheté un ticket, sorti Haïti, aller New York, ou bien aller Los Angeles, sorti New York, venir Taiwan tout droit, ou bien passer de l'autre côté, sorti Los Angeles, venir Taiwan tout droit, ou bien sorti Los Angeles, passer la Chine, passer entre Taiwan. Donc, c'est facile. Donc, si on a dit ça, si on a plus de détails, donc c'est Haïti, États-Unis, États-Unis, Japon, Taiwan. Haïti, États-Unis, États-Unis, la Chine et puis Taiwan. Donc c'est un ticket très facile ou à joindre. Eh bien, prix a coûté environ 1 400 $ américains à 1 800 $américains. Donc c'est environ prix ça, les prix euro, la coûte au plus cher, les prix au bas, la coûte au plus bas, prix tout. Donc on a la deuxième partie. Deuxième partie qui se salie, c'est un monde qui n'a pas aucun visa dans le passeport du tout. Est-ce qu'il est possible pour moun sa vin Taiwan? Oui, il est possible. Mais est-ce qu'il est difficile? Il est vraiment difficile. On regarde ça qui fait ça. Ou a besoin aller soit ou a sorti Haïti pour aller Panama et puis de Panama ou aller Amsterdam, de Amsterdam ou venir Taiwan. OK, qui l'autre parcours capable faire encore? Ou capable sorti Haïti ou aller Saint-Domingue, de Saint-Domingue ou aller Panama, de Panama ou aller Amsterdam toujours, de Amsterdam ou aller ou venir Taiwan.
ou capable toujours sortir Saint-Domingue ou prendre un avion qui pour aller Madrid et puis de Madrid ou entrer Taïwan directement ou du moins de Madrid ou passer en l'autre côté encore par exemple soit passer en Turquie et puis ou entrer Taïwan. Tout pays ça qui bail haïtien accès pour capable passer la caillou sans visa ou capable passer dans yo et puis m'a mettre tout parcours en bas vidéo ou même capable cliquer en bas vidéo pour capable voir qui liste que mettez pour capable passer mais par rapport à liste ça yo et bien mais quantité quoi vous capable dépenser ou va dépenser environ $2,500 américain à $3,000 américains. Ou pas dépenser plus que ça pour un ticket, sauf si vous partez dans un moment que tout ticket est très haut, mais que vous pas obligé acheter ticket très cher ou attendre le plus bas prix pour acheter ticket. Pas bay moun voum l'argent pour capable payer ticket. Nous capable remarquer moins pas bay prix fixe pour ticket parce que ticket avion pas gain prix fixe. Donc yo changer par moment. Il pas même dépend de moun qui acheter ticket pi bonnet ou bien plus tard. Donc là ou gen chance ou kachon ticket qui très bas prix et puis là ou pas gen chance ou kachon ticket qui très cher pour même voyage là. Quatrième point. Et si moun nan ta pose question, et si me décide de venir Taïwan, quel que soit agent ça y est, qui ça pour m'attendre les mouvés? OK, si vous décidez de venir Taïwan, quel que soit agent ça y est, qui ça pour attendre? Taïwan c'est un pays qui est très développé. Il y a une économie qui est vraiment stable. Et puis tout bagay ou t'a dit tout bagay ou fait tout bagay à l'aise ou bien sécurité et normal ça veut dire pas rien pour paix ou capable sortir à minuit ou besoin manger ou à chercher manger pour manger ou capable faire tout bagay et bien qui normalement pas illégal mais tout ça qui pour attendre moun yo c'est pas un pays qui gagne en pile noir là-dedans. Donc mon yo prend temps sous noir, yo pral wè yo tout vos doigts, yo tout vos et tout ça. Et puis surtout si ou pas parler chinois, donc ou senti ou pas être à l'aise là rive dans pays ça. Si ou pa gen un moun avec tout qui parle chinois ou du moins qui connaît côté ou déjà, il capable menon côté ou voulez aller. Donc pas senti ou très pas à l'aise. Donc ou pral besoin ou te pou payer hôtel, donc ou pral besoin un moun qui capable aider ou chercher côté ça yo pour ka joindre côté qui pi bas prix. Donc c'est ça pour attendre les arrivées. Donc bagaille pas pral trop facile parce que ou pas parler l'anglais. Mais si vous parlez anglais bien, vous êtes capable de joindre monde qui est capable d'aider vous. Parce que Taïwanais sont très gentils, vous capable d'aider monde, mais faut au moins vous parler anglais. Cinquième point, c'est combien me ca louer yon caille les arrivées Taïwan. OK? Comme vous prêter yon mois, deux mois ou bien jusqu'à trois mois, vous pas besoin de caille. Bon, et si vous avez besoin de information quand même, ok? Si vous avez besoin de information quand même, ce n'est pas impossible. Donc, vous avez un caille environ $150 américains à $300 américains. Ou même bon, ça qui est plus bas prix jusqu'à ça qui peut-être plus haut parce que vous avez un bagage qui est trop cher que ça parce que vous avez seulement 3 mois dans un pays. Donc, vous avez besoin d'un prix à yo, dépendamment de la ville où vous avez taipé, donc vous avez un prix qui est plus haut. Mais qui est l'autre moyen que je suis capable de faire si je n'ai pas tout comme ça pour me payer pour me louer caille? Si vous n'avez pas tout comme ça pour louer caille, il ne faut pas oublier tout. Louer caille n'est pas facile parce qu'il faut que vous ayez un papier pour ça. Vous pouvez demander au cadre de résidence, et bien si vous n'avez pas vous ne pouvez pas louer caille. Mais si vous avez un ami louer caille pour vous, donc vous êtes capable de venir aux amis qui font ça pour vous. Mais si vous avez un ami en fait, c'est sur nom de la pied. Donc toute responsabilité à ces amis en caprel. Donc là encore, c'est pour aller un autre problème pour gérer. Ok. Est-ce que je suis obligé de louer caille? Si je parle de caille, qui ça pour me faire? Ou capabilité dans bagaille qui est le hostel. Hostel là, c'est une série de hôtels qui est plus bas prix que hôtel normal. Donc, là, ça, on est capable de payer environ $30 à $60 américains par jour. Donc, et si je ne partage tout comme ça pour me payer? Oui, il y a l'autre option. L'autre option, c'est soit ou parler dans ça qui est le Airbnb. Ok, je vais mettre nos saillots en bas. Vidéo à ou capable chercher yo. Airbnb et bien c'est un bagage qui très bas prix et qui semblable hôtel bien caille moins et puis mbay moun faire la descente la dani et puis au payer mais c'est pas moun nan ou payer nan mais c'est online qui au payer donc ou a besoin internet et puis ou a besoin carte de crédit ou bien carte de débit pour faire ça ou a besoin un monde qui capable aider ou sou pa gen ça ou personnellement et bien l'autre bagage qu'on capable besoin faire est-ce que gen moyen qui pi bas prix toujours. OK, moyen qui plus bas prix qu'on pas ta payer du tout, c'est un bagage qui est le couch surfing.
Eh bien, si vous utilisez Couchsurfing, hein, eh bien, vous venez aux membres, eh bien, laissez ça payer pour venir membre sur le site ça. Eh bien, vous êtes capable de contacter les gens qui sont dans le pays, côté que vous pouvez aller à. Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de recevoir pour une semaine, pour deux semaines, pour deux, trois jours? Eh bien, comme ça, vous êtes capable de joindre les gens qui acceptent. Eh bien, comme ça, vous êtes descendre dans la caille, paisiblement, vous pas faire bruit, vous pas pouvoir filmer, vous pas pouvoir la caille, vous faire tout le bagage dans la rue et vous venez dormir la caille, paisiblement. Pas entrer avec Fika et Mouna, pas entrer avec, pas faire bagaille qui doit la caille Mouna, et bien comme ça, vous capable de descendre la caille Mouna qui accepte. Vous avez écrit plusieurs Mouna à la fois, si vous avez une qui accepte, vous faites tant ça, vous demandez pour faire la caille d'IA. C'est façon ça qui est plus bas prix, donc si vous avez l'autre question encore, vous pouvez poser en bas dans l'écran. Sixième point, c'est qui ça dit? Sixième point, pas oublier. Et si vous avez vu Taïwan, et puis vous avez tout arrêté tant que sans papier, est-ce que vous avez fait ça? Je ne vais pas encourager à faire ça du tout. Je vais déconseiller pour ne pas faire. Pour qui ça? Vous pouvez venir dans une situation qui est très difficile. Combien vous pouvez payer pour venir dans une situation comme ça? Au moins 3 000 $ américains, 4 000 $américains, jusqu'à 5 000 $américains avant que vous ayez vu un petit bagage pour faire. Qui ça vous a fait pour faire? Presque un rien. Est-ce que vous avez un bagage quand même que vous avez fait pour faire? Il y a un seul bagage qui existe, que vous connaissez, que vous attendez, que vous êtes capable de faire. Dire le travail dans la construction. Est-ce que c'est un bagage qui est facile? Non, il n'est pas facile du tout. Comment pour me faire joindre? Eh bien, il faut qu'il y ait un monde qui est en rentré dans le système là déjà, qui a travaillé avec qui un foreman qui connaît lui, il est capable de demander foreman dans qui il a travaillé, mais ses amis ont ça l'avoué avant le travail. Donc, ou même qui fait venir l'avoué, les que il y a tout le monde qui a travaillé pour lui. Eh bien, comment moun sa pral voyem, li pran un petit cob nan men, ou li di OK, metan wap touche, et puis ba mon petit cob la dan, et puis m ka bali. Combien cob m kapab touche comme ça? Environ 30 à 50 dollars américains par jour. Oh, c'est un pile cob quand même. Oui, li en pile cob, mais ou travay en pile tan kou bouri, presque 12 temps par jour. Donc li pa facile du tout pour faire, li pa facile pour joindre. C'était un bagage où tu as besoin chaque jour, où tu as dit bon, dans un mois, dans deux mois, je vais faire un pile comme. Non, il n'est pas facile comme ça. Qui ça fait pas facile? Gagner inspection. Inspection, la police a passé pour voir qui est cap travail qui parle légal. Donc si tu as gagné, si vous rencontrez un cap travail ou pas légal, eh bien, vous allez dans la prison et puis vous déporter dans le pays. Donc, vous ne pouvez pas souhaiter que ça arrive. Et bien, tout le monde, au mieux, le monde qui rentre dans le type de travail, il n'y a pas monter moto. Il y a des gens qui montent dans le type de travail, ça tout, il n'y a pas de conduire machine. Pour qui ça? Parce que depuis que vous faites un petit accident, un petit problème, vous pouvez trouver que vous êtes illégal, et bien, vous allez généralement aller dans la prison, et puis vous déporter dans le pays, et puis vous n'avez pas qu'à retourner dans le pays encore. Septième point. Est-ce que vous pouvez compter sur la communauté haïtienne qui est à Taïwan? Réponse moi, c'est non. Pour qui ça? Ce n'est pas parce que haïtien n'est pas bon. Ce n'est pas parce que les Haïtiens ne peuvent pas aider, mais ils ne sont pas dans la condition pour aider. La condition pour aider, c'est qu'il y a quelques grands Haïtiens qui habitent dans la caille de eux. Et là, ils habitent dans la caille de eux, c'est une petite chambre pour les gens personnellement de rester. Donc, ils n'ont pas de moyens pour être capable de mettre un étranger dans cette chambre. Donc, si vous avez besoin de quelqu'un qui sorti avec eux, est-ce que vous pouvez joindre? Si vous contactez quelqu'un ou faites un ami avec lui, c'est normal, il est capable de mener au côté s'il est disponible. Mais la quantité haïtienne qui est à Taïwan, c'est presque tous ces étudiants. Donc, vous n'avez pas vraiment de moyens économiques. Vous n'avez pas vraiment de moyens économiques pour être capable d'aider. C'est un soutien que vous êtes capable de faire. C'est seulement parler avec vous, dire qui côté vous aller, essayer d'aider dans ce sens. Mais est-ce que vous pouvez rentrer dans une série d'activités illégales avec vous? Non. Vous n'avez pas rentrer dans la logique. Ça. Donc, c'est vraiment difficile pour. Contrairement à gens. Haïtien rete chez lui, la vraiment difficile pour étudiants ici capable d'entrer dans la logique et de établir illégalement. Huitième point, c'est qui s'allie, c'est règle via. Qui s'allie les règles via? Si vous avez, si toutefois vous avez venu Taïwan, vous venez pour être fait un mois, deux mois pour capable d'habiter. Ok? Pas à dormir dans la rue. Venez avec quantité de corps pour dormir dans hostel, pour qu'à dormir dans un Airbnb, pour qu'à dormir dans couch surfing. Mais si vous dormez dans la rue, qui ça peut arriver? La police pourra poser aux questions. Là la police pose des questions, qui ça peut arriver? Il peut trouver que
Ça, c'est un problème. Tu as le droit d'attendre ça dans la nouvelle. Les jeunes haïtiens ont dormi dans la rue, sur place publique, ou du moins dans le lieu que vous ne pouvez pas la nuit. Le lieu que vous êtes capable de dans la nuit, c'est si vous êtes capable d'aller dans le nightclub. Si vous êtes capable d'aller dans ça qui est le disco, eh bien, bagaille ça yo. Si le pas cher, ou du moins si le gratis, vous êtes capable d'aller pour passer nuit tout. Ça, c'est notre paire de. Ça, c'est notre bagaille. Mais si là encore, vous passez nuit tout, vous ne pouvez pas dormir, dans demain, vous avez besoin de dormir. Donc, vous avez toujours besoin pour capable bien assez l'argent pour capable gérer. Parce que Régvia, ici, c'est un pays qui est vraiment calme, c'est un pays qui est vraiment de sécurité. Ce n'est pas un pays où vous demandez les gens qui parlent de vous, parce que vous n'avez pas quoi dans les gens à demander. Vous avez une quelques grands gens qui ont demandé ici, mais c'est les gens qui vraiment dans une situation physique qui n'est pas normal. Mais tant que vous-même, vous parlez comme un jeune garçon, comme une jeune fille, vous demandez, donc c'est très difficile pour vous. OK, qui dernier bagaille que m'ta amendi qu'on est là. M'a dit deux bagailles qui important. Ou m'a retiré dans premier 8 conseils que m'ta ba yo avant, m'a pas ajouté ça là dedans. Eh bien, qui ça lié? Si un moun ta remen vini pour étudier Taïwan. OK, si vous venez ici là, ou a toujours besoin sorti quitter pays là pour aller mettre un visa étudiant. Donc les plus bon si vous venez comme étudiant pour appliquer depuis en Haïti, vous cherchez l'école qui a accepté au Taïwan, vous cherchez l'école qui a l'école qui a langue chinoise là-dedans, ou baou comme pour étudier, vous capable venir ici là pour étudier chinois. Pendant que vous étudiez chinois, vous avez amélioré anglais, laisse ça, vous avez plus bagaille que vous capable faire. Vous avez plus façon, vous comprendre ou même qui sont vous capable faire si vous voulez rester Taïwan. Parce que l'autre bagaille qui gagne, ou qu'on est dans chaque pays, si tu as besoin de rester là-dedans, haïtien comme ça, très bien, parce que tout haïtien est intelligent pour ça. Si vous avez une femme qui est d'accord mariée ensemble avec vous, donc c'est la meilleure façon pour capable rester. Mais pour faire ça, il faut un petit temps devant. Eh bien, comment on peut gérer tant ça? Ici, dans la zone taïwanienne, Haïti a un paquet de pays amis là-dedans. Corée du Sud, ou capable aller Corée du Sud, ou capable aller en Philippines, ou capable aller Malaisie, ou capable rester Taïwan, ou capable aller Singapour. Qui ça peut arriver le roi de côté ça yo? Chaque fois sorti ou rentrer, pas oublier au bon l'autre 3 mois encore qui fait commencer. Donc avantage que vous allez gagner, ce bon petit ménage là, ou gérer, donc vous font 6 mois en Asie, mais là vous avez besoin l'argent pour faire ça, je vais me dire là parce que vous rentrer sorti. Donc si c'est ça qui n'était tout, donc comme option, vous capable trouver ou après en joindre une fille dans 6 mois. Eh bien, pour joindre ou arranger ou eh bien comme ça ou capable de donc bon, eh bien, c'était information en créole haïtien pour tout haïtien à la one bade, quel que soit un pays que vous avez dans le monde. Eh bien, de vous parler créole, pas oublier, partager maintenant à tous les amis ou bien tout le monde qui a regardé la vidéo. Eh bien, comme ça, chaque vidéo qui tombe, vous avez des chances pour regarder. Eh bien, tous les amis, vous avez des chances pour elle. Eh bien, information que la donne à tous les amis. Ciao, ciao, c'était la vidéo.